présenter les dyes d'Ellen's Wrap Store. Alors, je les ai reçus la semaine dernière, ils sont magnifiques. Dans ce lot, vous en avez 3 et dans celui-ci, 4. Alors, je vous les ai passés dans ma machine. Alors, ça se présente comme ceci. Vous voyez, ils sont super lents. Voilà, pour celui-ci. Et cette jolie carte, je vous le mets à côté pour que l'on voie comme il faut. Alors, voilà pour celui-ci. Celui-ci, il en manque un, c'est la petite étiquette que vous placez, que vous pouvez placer au-dessus de celui-ci. Donc, je vais vous montrer quelques modèles. Alors là, j'ai fait la couverture de mon prochain album avec. Alors, j'ai utilisé celui-ci que j'ai placé en dessous du livre. Et ça fait une jolie bordure tout autour. Et franchement, ça rend super bien. Et à l'intérieur, alors je ne l'ai pas fini, mais c'est pour vous montrer justement. Voilà, j'ai fait cette découpe-là. Et à l'intérieur, j'ai fait la petite découpe pour mettre autour de ma petite image. Donc ça fait très joli pour... Ou alors on peut écrire un sentiment. Hein. Il y a de la place quand même pour écrire quelque chose. Donc voilà pour cette étiquette. Et ensuite, j'ai fait une jolie carte. Alors pareil, j'ai utilisé ce dies, le plus grand, pour mettre en fond, et j'ai fait mon encadrement pour mettre une image juste au centre, et ça fait une jolie carte. Alors pour mon premier album, c'est un album naissance hein, pour une petite fille, mais le prochain album, en fait le tuto de celui-ci, je vais faire un album pour un mariage, et je trouve que ces dentelles là ça va être magnifique avec le papier que j'ai choisi. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce dies-là. Alors, on peut en faire une jolie carte comme ceci. Alors avec un fond craft pour faire ressortir la découpe et mettre une photo de l'autre côté. Et vous pouvez faire également une carte comme ceci qui s'ouvre. C'est très joli. Je vous montrerai, quand je ferai le tuto de l'album, comment j'ai fait, j'ai réalisé la carte. En décoration, vous pouvez très bien décorer une page, comme j'ai fait ici. Alors là, je l'ai mis comme ceci, elle va s'ouvrir comme ça. Et de l'autre côté, eh bien, je peux mettre quand même une photo. Donc c'est très joli également. Donc pour cette décoration là, j'ai utilisé la découpe, la plus grande découpe qui se trouve ici. J'ai utilisé la découpe pour avoir l'effet dentelle tout autour. Et j'ai utilisé en fait cette découpe dentelle sur un papier décor en gardant juste l'image avec la petite fille. Donc pour recoller sur ma petite carte. Dans mon album, je vais utiliser en fait ces deux lots de dies, et comme ça, ça vous permettra de voir tout ce qu'on peut faire avec ces superbes dies. Donc, je vous mettrai en barre d'infos également le dies, la référence du dies du petit livre. Il est assez sympa à faire et il peut s'utiliser également pour un album mariage. Là, je trouve ça très joli, ça donne du relief, c'est assez sympa. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt !